Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Last Tide, un tout nouveau jeu qui vient de sortir sur Steam et qui est un Battle Royale, mais original, vraiment, puisque c'est un Battle Royale qui se déroule sous l'eau. Donc, on est sans plongeur, le but étant d'être le dernier survivant, bien évidemment. Donc, vous vous stuffez, vous allez tuer les autres. Vous connaissez un petit peu le concept. Sauf que ce jeu, déjà, faut savoir qu'il a été fait par les créateurs de Depths. Un jeu qui opposait justement plongeur contre requin. Et du coup, c'était déjà un très bon jeu, je trouve, en tout cas, personnellement. Après, il faut aimer. Mais du coup, ça reprend un petit peu certains concepts et tout, certaines armes et tout ça, pour ceux qui connaissent. Et il y a pas mal de particularités du fait que ce soit sous l'eau. Déjà, au niveau des animations, des portes et tout, je trouve que c'est vachement bien fichu. Vous allez voir, quand on va looter des choses et tout, c'est plutôt cool. Les bruits et tout sont sympas aussi, justement, les bruits de tout, hein, que ce soit les armes et tout ça. Vu qu'on est sous l'eau, c'est plutôt bien fait, c'est assez sympathique. Il y a un système de bulles, du coup, qui fait que les plongeurs peuvent être repérés assez facilement. C'est-à-dire qu'en gros, quand on se déplace ou quand on reste à l'arrêt, on fait des bulles toutes les X secondes, en gros, qui vont remonter à la surface, et du coup, ça nous permet de spot des joueurs. Donc c'est assez cool comme procédé, et qui est propre justement au fait d'être sous l'eau. Il y a un système aussi de flares. Donc les flares, c'est quoi? C'est, vous savez, les pistolets à fusée éclairante. En gros, si on balance des flares, en fait, on peut en quelque sorte avoir un voilà qui est intégré. C'est-à-dire qu'en gros, on voit les joueurs à travers les murs, mais tout le monde, hein, toute la carte verra les joueurs à travers les murs qui sont au niveau de la flare. Donc ça, c'est intéressant. Ça évite vraiment, quand il y a trop de campeurs à un endroit, ben justement, on envoie ça et on sait à peu près où est-ce qu'ils sont. Donc ça permet d'avoir vraiment un gameplay intéressant de ce côté-là. Pareil, avec ce pistolet à fusée éclairante, on peut mettre des appâts à requins. Et si on les tire sur un joueur, en fait, ça va attirer des requins. Donc il va y avoir un requin qui va arriver, qui va foncer sur la cible et qui va le déchiqueter. Donc le but, quand on s'est fait choper par un appât à requin, c'est de rechercher le requin, de lui tirer dessus, d'essayer de le tuer le plus possible avant qu'il nous touche. Et quand il nous chope, il faut qu'on le finisse à coup de couteau. Voilà, donc ça peut faire très mal, forcément, c'est un requin. Donc c'est original, c'est pas mal, sachant qu'il y a aussi des requins à l'extérieur de la zone. Vous savez, le dôme qui se referme, ben là, en fait, c'est une zone où à l'extérieur il y a des requins, tout simplement, donc au bout d'un moment vous pouvez plus survivre. Il y a aussi le fait que, vu qu'on est sous l'eau, il y a le côté gestion de la hauteur en plus des directions, qui est vachement intéressant également. C'est-à-dire que on n'a pas juste à regarder à droite à gauche, il faut vraiment regarder au-dessus de nous, en dessous de nous, et nous-mêmes on peut vraiment nager vers le haut, vers le bas. Donc on peut vraiment se planquer à des endroits improbables, et c'est super intéressant aussi cet aspect-là. Ça renouvelle pas mal, en fait, le côté Battle Royale, je trouve. Et bien évidemment, vous avez aussi tout ce qui est accessoires d'armes et tout ça qui les rendent un petit peu plus OP. Si vous avez des viseurs sur par exemple un genre de sniper, donc par exemple les fusils harpon, c'est un peu le sniper du jeu. Si vous n'avez pas de viseur dessus, c'est un peu chaud de viser avec, surtout de loin, alors que vous avez des viseurs intéressants. Vous avez des points rouges, holo, des scopes et tout ça. Donc voilà. Sachez également qu'il y a des raretés surtout. Donc que ce soit au niveau des casques, donc tout ce qui est armure et tout ça, sac à dos et tout, mais toutes les armes aussi ont des raretés. En gros, les raretés, on les voit au niveau des points qu'il y a sur les armes, enfin sur le stuff. En gros, il y a un point, deux points ou trois points, sachant que trois points, l'arme est violette, trois points, l'arme est jaune, pardon. Donc voilà, on dit que c'est légendaire. Deux points, l'arme est bleue normalement. Et un point, bah c'est blanc, c'est le truc normal. Voilà. Après, au niveau du HUD, je pense que vous allez vite comprendre. Hein. De toute manière, c'est compréhensible assez facilement quand on a un petit peu l'habitude des BR, de toute manière. Donc, pas de grande nouveauté sinon de ce côté-là. Bref, du coup, je vais vous laisser avec les images. On a fait une belle petite game, du coup, que je vais vous montrer. J'étais en compagnie, pardon, de Shoji. Et du coup, bah, c'était vachement cool. Après, on a comblé également. Donc, on était avec d'autres joueurs qu'on ne connaissait pas. Mais on s'est bien amusé, franchement, pour nos premières games. Déjà, on a fait des games intéressantes. Donc, franchement, une très bonne immersion, une très bonne surprise en termes de Battle Royale. Ça fait plaisir. Allez, je vous laisse profiter des images. Tu sais combien je l'ai mis? Parce que mon truc, c'était un genre de fusil snipe ou quoi? Putain, Il est tu touches bien mort? aussi. Je sais pas. Je sais pas, y a pas eu un truc marqué? J'ai pas fait gaffe. Mais il est mort. Mais pourquoi il se tient le ventre? Tu peux le loot là? Mais c'est... Retire? C'est bizarre. Oh, c'est énorme le casse, t'as vu l'oxygène? Oui! Ah mais oui, mais ça se trouve y a un truc d'oxygène. Ah non, là Ah tu l'as non, il était tué. pas mort! En fait, alors oui, moi quand il... Parce que moi je suis mort, tu vois, là maintenant t'as le sac, donc d'accord. Moi D'accord. quand il m'a tué, en fait il m'a mis à terre en gros avant. C'est pour ça qu'il était comme ça. T'as un système où t'es à terre et tu peux être relevé par un pote, comme dans PUBG et tout. Ah, ok. Du coup, je pense que c'était ça, donc je sais pas où est-ce qu'il y a son pote, ouais. N'oublie pas de Bon, prendre dans le la couteau logique. pour nager plus vite, hein. Je pense que ça marche. Hein. Ah, bah, bon à savoir ça alors. Je pense, hein, genre j'ai essayé de nager un petit peu avec l'arme et sans, et j'ai vraiment l'impression d'être plus rapide. D'accord. Ah, tiens, j'avais pas de casque. Un petit
le serpent. Par contre, ouais, vu la zone, en vrai, ça me fait plutôt flipper. Je vais juste aller prendre la capsule et me barrer, moi. Ah, ils ont... Je crois qu'ils connaissent pas les capsules, en fait. L'autre, il y va à la nage, hein. Il nous suit, il nous suit. Ah, ça y est, il a vu la capsule. Ok, et du coup, on va mettre le point vers là-bas. Sachant qu'il faut contourner le rocher par la gauche, là, je pense. C'est ça, là? C'est là où je suis, ouais. Regarde, hop. Wow, on repart dans le ciel. Oui. Et du coup, ça te redonne bah, pas mal de vitesse, là. Ok, je te suis. Par contre, il va y avoir le truc gris, là. Ah, c'est vraiment un rocher, hein. Faut contourner. Et on arrive dans la zone. Tu vois, c'est vachement efficace. Ça va tellement vite. Yes. Et ça se casse ici. Ah, c'est toi qui es sorti? Ah non, oui. Ok. Ça s'est cassé, moi. D'accord. Ça tire, ça tire. Sur nos potes? Genre, ouais. J'entends aussi, hein, mais... Sur... Ah non. Si, il y a une fusée. Ah bon? Mais c'est en dessous. Mais c'est eux, les fusées. Ouais. Il est déjà mort. Mais ils l'ont tué? Ah, il a buté un mec. Ouais, ils l'ont buté. Enfin, notre pote a tué un ennemi. J'ai même pas vu le marqueur. Mais... Y'en a un autre? Ah, ouais, y'en a deux autres, mec. Putain! Oh, je suis pas mort. Ah, j'ai dû le toucher, lui. Les deux qui sont en surveillance, j'ai dû les toucher de ouf. On te serait pas un truc d'appât, là? Si tu veux. Attends, il va se remontrer, je crois. Putain, mais nous on est complètement en rouge, du coup ils nous voient. Là aussi, là. Là j'ai envoyé un truc d'appât là. Tu vois le truc là, la fumée? Ouais. Et il revient là, à droite là. J'en ai eu un. Il est ouais, au sol. Il y a un requin, qui l'a chopé, mec, ça a marché. Il y en a un là juste là. Ah non, c'est un indien. Ouais, mais attends, j'ai perdu le requin là. Moi aussi. Ah, c'est bon, il s'est barré. Et du coup, le mec est mort? Il y a encore un joueur. Il y a son pote encore. Hein. Ouais. Fais gaffe, il fait pas le tour sur la droite. Il faut envoyer une fusée, je pense. Il y a des fusées sur la droite. La zone aussi, purée. Attends, j'envoie une fusée vers là-bas pour voir. Ouais, derrière nous. Par contre, tu l'as eu, tu l'as eu, mec, ouais, GG. Tu l'as fini. Il y en a encore un. Oh non. Recule. Ouais, j'essaye, je suis en PLS. J'en ai tué un. Oh non. Il m'a aggro sur un requin. Purée. Il m'a mis un truc de requin. Moi aussi. Je vais me faire bouffer alors que je suis en PLS, je crois. Tu peux réanimer ou pas? Ou tu... Oui, on peut réanimer, Le requin arrive sur toi! C'est bon, je l'ai eu. Et moi, il m'a tué. Je mets. Oh, t'es seul en vie! C'est vrai? Oh, mec. Du coup, on a pas pu le finir, ils vont se réanimer. Hein. Oh. Là au-dessus! Oh non! C'est pas la bonne arme. Moi c'était horrible, c'était un film l'action. Il y a deux requins qui débarquent, un pour toi, un pour moi. Et je t'en empêlé, je fais non, mon copain, ranime-moi. Et tu t'es barré à la nage, c'est mort. Mais j'ai trop peur, oui. Je me suis dit peut-être que si je m'enfuis, il viendra pas sur moi, tu sais. Puis j'ai vu le requin dessus, je me suis dit ah, peut-être que le requin va le suivre lui et moi je vais pas mourir. Attends, puis, mais ils mettent des points partout là. Oh, ils sont vraiment chiants par contre là. Ok, bah, ils veulent aller au Derrick. Hein. Ok. Ah, Derrick c'est vraiment le centre. Après j'avoue, on peut essayer de drop assez tôt et d'aller à la station juste avant pour le reprendre, hein, si jamais. Enfin, tu me diras, c'est peut-être pas forcément un gain de temps. Ouais, mais le bateau va plus vite. Bah ça dépend si le bateau en fait il tourne ou pas, quoi. Parce que là, si le bateau il tourne à droite... Il tourne à gauche. Qui c'est qui a sauté? Le rouge. Descartes. Bah on va pouvoir faire la course, on va voir. Bon, il va carrément plus vite le bateau. Ouais, mais je pense qu'il vise la capsule. Bah je pense qu'on peut partir là par contre. Vas-y. Oh, y'a un mec qui s'est fait buter au couteau. Ah déjà. Tu sais les mecs qui sont en train de drop. Ah, ça donne envie, hein. Il a tué quelqu'un avec une arme bleue déjà, c'est ouf. Oui bah il a trouvé une arme bleue, hein. Ouais, mais nous on est même pas encore descendu quand on était mort. Ouais, je vais tout en bas moi, loot direct. Oh mais c'est pas en bas à droite. Je vais looter en bas à droite moi. Oh. Allez boum. Tu l'as eu? Ah oui, GG. Ouais.
Le mec il a déjà une arme et tout aussi. Bon, parce que moi je crois que j'ai fait. Comment j'ai peur que ses potes arrivent en fait. Bah écoute, viens vers moi si tu veux. Ouais. Ça bug. Il y a des portes, j'entends les bruits de portes. Ok, un pare-balles ici. Palme bleue. Ah non, c'est pote, c'est bon, mon poteau. Fusée. Est-ce qu'il y a autre chose à proxy? Non, il n'y a que les palmes. J'avais. Non, ça c'est une lampe. Il n'y a pas une touche pour transférer directement? Tac, tac, tac. Ok, on a un dot là. Si, clic droit, en fait. Pour ta touche. D'accord, mais ça bug, non? Si, ça bug. Non. Si, si, en fait, ça met en gris. Ah oui, c'est que c'est long à... Ah ouais, d'accord. Non, normalement, c'est instant, mais je sais pas pourquoi, oui, ça le met en gris quand tu... Sur certains trucs, je sais pas pourquoi, mais ça te le donne direct. C'est peut-être quand c'est full ou j'en sais rien. On n'a pas d'icône pour savoir quand on a du soin. Oh, joueur sur moi! J'arrive. Je l'ai eu. Putain, t'es loin. Bien joué. Ok, je le looterai après, je me heal. Ah, j'ai un autre mec sur moi qui me tire dessus. Ou alors c'est Descartes qui me tire dessus, je sais pas. Non. Attends, je vais monter là du coup. Je me quitte. Fais vite parce que deux mecs, ça me trouve ça bizarre. Tu sentais pas loin de moi aussi, non? Je suis là, je suis venu direct avec Descartes. Ah mais c'est bon, je pense que c'est lui qui me tire dessus. Hein. Ah non, il y a notre pote qui prend des dégâts encore. T'as du soin? Ah, je suis full. Pourquoi là. Ok, je sais pas, ouais, j'ai pas regardé. Ouais, je suis full, c'est bon. Ouais, j'avais un petit peu de soin. Ça fait flipper. Sinon, il y avait Medic. Faut que je me soigne par contre. Non. Attends, mais du coup, là, mon pote est en train de loot. Oh, mec! Non, c'est mort, oui. Tu lootes pas ça. Hein. Il était full légendaire, le mec. Déjà? Mec, j'ai casque légendaire, palme légendaire, mec, sur lui. Ah mais y'a un autre cadavre ici en fait. Il verra. Mec, deux trucs légendaires là, direct. Ah, notre pote, Goten, il est à terre, mais il est où? Ah, il est de l'autre côté, et il va se faire finir, mec, c'est mort. Non, bah tant pis pour lui. C'est tant pis pour lui. Bah, il est pas venu. Oui, bah... Moi non plus de base en vrai. C'est sa faute. Et puis je joue ici. Ah, le grappin, je veux pas jouer au grappin, donc je vais dégager ça. Moi j'ai eu tellement chaud en vrai. Il a pas mal joué. En fait il m'a mis une balle dans un premier truc et ensuite il a switch à l'arme en fait. Comme moi. Sauf que moi j'ai loupé ma balle au début. Chargeur rapide. Tiens, pour pouvoir recharger plus vite ça va être cool. Ensuite les soins du coup c'est bon. Les grenades. Les harpons j'en ai pas besoin pour l'instant mais bon. Et c'est quoi les armes après du coup? C'est flèches. J'ai une porte. Ah. Attends, t'es un peu loin de moi. J'arrive. Je sais pas si c'est vous ou pas, donc c'est sur mon inventaire. Ça m'étonnerait, hein. Si t'as entendu une porte ici, mec, je suis là. C'est des cartes? Franchement. Non, il cherche aussi, je pense que c'est. Il y a une lumière, c'est toi? Ah, c'est lui. Wouah! Ça me pète les yeux. En fait c'est ébloui hein, quand tu l'utilises hein. Ah ouais c'est violent. J'en ai une aussi. Bon on va devoir bouger de toute façon. Mais j'avoue que c'est super risqué comme zone en même temps. Regarde t'es où? Regarde moi. Ah bah oui c'est mort en fait, je peux pas te viser mec avec ça si tu me vises vraiment. Bah autant tu peux tirer au pif mais c'est ouais, assez ouais, violent. Ouais au milieu quoi mais c'est... Oui. C'est assez abusé en vrai. Bon. Du coup j'ai... Fusil ADS en légendaire aussi. Ah oui. Bah il faudrait qu'on sorte et... en fait mais... Attends mais il y a des médias qui t'écoutent, qui restent là dedans. Ah les palmes je les veux bien, j'ai pas de palmes. J'ai par balle, j'ai pas de j'ai par balle. Oh, t'as pris une balle. Je le vois. Je l'ai touché, il est à la porte 210. Ouais j'ai vu. Je vais envoyer une flare. Elle est pas assez loin je crois. Je me soigne. Toutes les portes sont ouvertes, j'espère qu'il va pas faire le tour. Mince, ça spot mon pote plus que l'ennemi là.
j'ai tiré plus loin là normalement. Ça tire dehors, ça tire de ouf. C'est notre pote qui se fait tirer dessus. Ah oui. Ah mais il est sorti, ok. Je vais prendre un truc de gaz là, que ça me remonte la vie progressivement. Il l'a buté? Non non je pense pas. Oh il m'a fait flipper. Attends maintenant je vais souffler la carte, j'ai peur de me prendre des... Ouais c'est pour ça que je check un peu partout mais c'est chaud. Cette zone elle est chaude de ouf en plus. On voit rien au fond. Elle est surcampée et... Il y a des palmes 2 ici, ça part. J'ai déjà. Ok. Viseur holographique, non. Ah si, c'est peut-être mieux que le laser. Couvre-trace. C'est pour pas qu'on voit par où tu tires. Ah, mais c'est quoi ça là-bas, ah, c'est un joueur? Ah cool. C'est quoi ça, c'est un joueur ou... C'est quoi? Ah non, c'est du loot. J'ai entendu une porte. Ouais. Sur ma gauche là. Ouais, vers là. Là, on le voit, on le voit, on le voit. T'as vu où est-ce qu'il vise, hein? Je contourne. Il me push. Oh putain merde, je voulais contourner. Il est mort, c'est bon, je l'ai eu. Bien joué. Il est fini. Oh le fusil harpon légendaire. Palme légendaire encore. Vas-y, ramasse. Ah encore, t'as déjà toi? Ouais, j'ai déjà. Dis-moi ce que je peux prendre. Les palmes, c'est bon, je peux prendre? Ouais. Est-ce qu'il a des harpons par contre? Parce que j'en ai pas. Ah si, 73, ouais. Il a pas un sac? Il a deux gyrofus, on s'en fout, on s'en fout. Il a pas un sac normal là? J'en vois pas. Couvre-trace, palme, cross. Ah, j'ai plus beaucoup de balles non plus en vrai. Ça tire vers notre pote aussi en fait donc ouais. Dans mon dos ça me tire. Ouais vu. Touché. J'envoie une grenade à part, t'approches pas là-bas. J'envoie un truc d'appart. Oh, il est en dessous. Vas-y, va. Je vais me soigner dans la porte. Ah non c'est bon, je suis quasi full life en fait, je croyais que j'avais pris plus cher. Je sais pas s'il a été touché du coup par la part. Non, je sais pas. Tu vois un requin? Non, je pense pas. Je remets les éclairantes. Je vais essayer d'en balancer une. Bouger, on voit pas. J'ai quoi comme arme déjà? Harpon légendaire et... Ah mais j'ai mes deux armes en légendaire en fait, oh là là. Tu feras gaffe, le gars là qu'on a tiré dessus, je l'ai vu plonger vers le bas direct. Donc il y a peut-être une ouverture qui est en dessous de la map. T'as vu aussi mis notre pote? Il y a une fusée en bas en plus. Ouais. Par contre si on prend tous la grenade... Ah il y a des fusées partout là, c'est pas nous tout ça. Franchement il y en a beaucoup qui sont à nous. Hein. Donc c'est stylé d'être là aussi. Tu bouges pas mec, t'es pas mal couvert. Hein. Ouais. Ah oui, il a raison, faut qu'on aille dans la zone, j'avais pas eu. Let's go. Ouais, par contre il est marqué ici, faut que je fasse gaffe. Au-dessus de nous. Ah oui, oui. Il est pas mal touché. Hein. Sur moi, il est mort, il est eu. Je suis très low HP par contre. Je l'ai fini. Je l'ai fini, je l'ai fini. Je me quitte. Fais gaffe, t'es low, t'es low, t'es low. Redescends mec.
Merde! Ah, ça m'aide. Merde, j'ai tué le pote! On peut tuer les potes? Ah mince. Putain, il fouille un corps. Oh, j'ai tué le pote. J'ai pas vu, il y avait deux corps. Je savais même pas qu'on fallait TK, mec. Oh. Je peux parler? Putain, je voulais m'excuser. Oh, fais chier. J'ai même pas capté la scène, mec. Je savais même pas qu'on pouvait TK, moi, dis-toi. Il y avait en fait les deux plongeurs étaient l'un sur l'autre du coup quand j'ai tiré et je crois qu'ils étaient. Attends, c'est pas fini, je suis pas mort. Ah ouais, on m'a tué. Ouais, normal. Il y a des cadavres partout. Ils sont au-dessus de toi, hein, donc monte pas. Je sais, mais je suis monté, j'en ai tué un aussi. Hein. Je sais qui tirait dessus, j'ai mis trop de temps à comprendre qui tirait sur qui aussi. Il y a ce corps là, juste là qu'il faudrait que je loot en plus. C'est tellement risqué de lutter en plus seul comme ça. Oh, j'ai vu un truc, non? Non, c'est des reflets. Vas-y, loot, je peux regarder, moi. Grand médigaz. Puis joue, casque, kit, petit médigaz. Médigaz moyen, medkit. Allez hop, on a pris plein de soins, normalement. Normalement, j'ai plein de soins, mec. Du coup, je vais reprendre un médigaz avant de me fight, comme ça, ça me heal, t'sais, automatiquement. Ouais, faudrait que tu puisses choper mon stuff. J'ai un G par balle 3. Il est au-dessus de toi, mais Après, j'en ai un 2 au pire. Voilà, juste au-dessus d'ici, enfin, à droite. Ouais, mais je sais, je pense que j'ai vu, c'est, où il y avait... c'est ça là. Non, celui-là, c'est celui du joueur que j'ai tué, toi t'es un peu à ouais, gauche. Ouais, c'est juste à gauche, voilà, ça. Je sais, mais du coup là, c'est chaud en vrai. Après, toi, quand tu ramasses, moi je peux voir ce qui se passe autour de toi. Enfin, attends, devant mais... toi plutôt. Ah bah. Ah, tu l'as vu. Bien wesh. Ah, c'est pas. J'ai fini son pote. De se soigner. Tu l'as vu. Je l'ai vu. Il est fini direct. Six kills. Il me faut des balles. Bah, je suis pas sur eux. J'en ai. La zone a changé. Ouais. Combien de temps? 28 secondes. Ok. Putain, il est retourné dans le flair, le mec. Mec, elle est trop bien cette partie. Oh. MDR, il est là. Ouais, mais il t'a pas vu. Par contre, il faut que ça mort, tombe par terre mort. Pour le. Ouais, t'as vu d'où ça venait à gauche. Ah, mec, ils sont combien? Faut que je remonte, c'est que je me barre en vrai. J'aurais dû looter en fait, je pense. T'as le temps encore là avec la zone? Non, je pense pas. Surtout qu'il y a les autres qui vont me couper la route, donc je vais pas prendre le risque. Enfin, ah, tu les prends par-dessus avec le fusil automatique? Ouais, j'aurais peut-être eu le temps en fait de loot, mais comme je connais pas encore les timings du jeu. Oh. J'en ai un. Il est cool. À droite, il y en a encore un, à droite de la grue là. Attends, j'arrive pas à le finir, je crois. Ah, mais au-dessus de la grue aussi. Je crois qu'on me l'a carotte. Il y en a qui va venir sur toi. À gauche, en bas. Il t'a vu le mec, hein. Ah ouais? Juste en dessous de la grue à droite. Fais gaffe. Ah, vas-y, fais le tour, bien joué. Il y a des bulles là, il y a un mec juste en dessous de moi là. Tu les vois les bulles là qui remontent? Ouais. Ils sont deux. J'en ai un. Il y en a encore un. Ta vie. Je sais, ouais. Oh, t'es pas dans le bon sens. Ouais. C'est chaud mec, attends. Mince. La zone elle va te bouffer. Non, ça va. Ah là là, c'est chaud. Fini 3ème. Ah, c'était chaud. T'as fait un carton à la fin. Ah, ils m'ont chopé par un requin en plus à la fin, lol. Comme si c'était pas assez. Ah quoi, c'est peut-être la zone en vrai, je sais pas. Ah ouais, c'était propre. Mec, on a quand même 8 kills, c'est pas mal hein. C'est pas mal du tout en vrai la game hein. Elle était kiffante de ouf là, à partir du moment où ouais, tu commences grave. À prendre un peu les réflexes. Oui c'est ça, j'étais en dehors de la zone, c'est un requin de la zone qui a dû me manger je pense. Et quand tu commences à prendre les réflexes et tout, j'avoue que là, à la fin, t'as vu, je commence à enchaîner en plus, ça fait plaisir, mec. Bah, tellement.
Ah oui, regarde, regarde, regarde. Oh là là, le requin. Il s'est mis dans le mal, le mec, là. Je sais pas si t'étais en spec, là. Non, j'ai juste de partir. J'ai juste vu le requin. Il s'est fait choper par un requin. Ouais, voilà. Il était vers ton corps et j'ai vu un requin. Ah ouais, non, mais et par contre, les zones finales sur ce jeu... Attends, j'ai envie de voir la fin, quand même. Ah, il a un lance-arpent avec un viseur... C'est ce qui manquait, un peu, les viseurs, aussi. Le lance-arpent, là, il a un viseur... une lunette, tu vois, pour scope. Et c'est ce qui manquait, moi, de loin. J'étais pas précis avec mon lance-arpent, moi. C'est pas ouf. Alors que là, avec ça, il doit être vachement bien. J'aimerais bien qu'il vise avec, tiens, que je le vois un peu. Il reste deux plongeurs, ils sont en 1v1. Mais j'avoue que là, t'es nombreux dans la zone finale, mec. Genre, t'as aucune cover, c'est chaud de ouf. Ce qui était pas mal, c'est que la zone finale, il n'y avait pas de bâtiment. C'était vraiment... Ah, il avait... Oh, le scope qu'il a, mais oui, non, mais c'est abusé. Oh, ah, le projectile, il respecte le scope? De quoi? Est-ce que le projectile respecte le point du scope? Ouais. Mais je crois que c'est vraiment... si tu scopes sur le mec, je crois que même s'il est loin, je crois que tu le touches. Hein. Je crois que c'est pas forcément quand le projectile arrive. Je suis pas sûr qu'il faut vraiment anticiper, je me demande si c'est pas justement du head scan. Parce que le harpon, il m'a l'air quand même assez lent. Bah moi quand je jouais au harpon, c'est que tu disais qu'il était assez lent, je touchais à chaque fois que j'avais le viseur dessus. Alors je pense que c'est du hitscan, mais après t'as quand même le projectile qui trace, mais il faut pas en tenir compte, je pense. À voir. Non, le mec il s'espote tout seul avec sa flair, le pauvre. Mais j'avoue, là c'est là où tu vois qu'il faut jouer justement avec les différentes hauteurs en fait, sur le fight final. Les mecs ils ont rien pour ce cover, ils ont juste... petite montagne en gros, un peu dénivelé. Il joue avec les hauteurs quoi. Ça joue bien? Ça va, mais. Galère si tu es quand même. Ça va. Bah, c'est celui qui me tue au final qui gagne. Hein. Il arrive avec 6 kills aussi à la fin. Et son pote avait 0. Oh, tu les avais pris tellement par surprise avec cette histoire de bulles là. Ouais, mais t'as vu les bulles? C'est super pour savoir où il y a les mecs ça aussi. Ça passe à travers la structure. Mais s'il oui plaît. Enfin, voilà, mais au moins c'est bien parce qu'en vrai, tu sais, s'il y a un mec en dessous, ça évite les campeurs aussi. Donc même si c'est un peu buggé, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est un peu comme ça qu'ils ont peut-être pu savoir chaque fois où on était, quand on était en bas. Ouais, non, mais c'est intéressant.